Petit départ pour une sortie, on va sortir en ville, et puis voilà, tranquillou, moi il va falloir... Ah tiens, il faut que je prenne mon portefeuille, j'ai changé de chute. T'as mal aux jambes? J'ai mal à ma cheville. Et t'inquiète pas, je te préviendrai, généralement les gens ils vont me voir. Tu filmes ou pas? Oui, oui. Bon, déjà nous sommes à côté de l'église Saint-Denis. Hein? On est quel arrêt là déjà? Je sais pas du tout. Laurier. Laurier. On est à l'arrêt Laurier et là on va direction Saint-Hubert. Saint-Hubert, c'est par derrière, c'est par là. Donc on y va, avec plaisir. Donc dans sa voiture. Ouais, dans sa voiture. On va essayer de se promener un petit coup. Il fait très froid par rapport à hier. Hier il faisait beau, c'était quasiment un beau temps. Là c'est un temps de chiottes. Mais bon, voilà, hein, quitte à faire, on est dans un pays du. Donc autant en profiter. Donc on va là-bas, direction Saint-Hubert. Direct comme ça. Bon, nous sommes allés au Nestor, le bar derrière là-bas. Un petit bar, un petit pub hyper sympathique, un peu rétro, assez cool, avec des barman plutôt bien. On a bu des bonnes petites bières aussi. On a fait des petites découvertes. Attention aux gens, il y a un banc. Et donc maintenant, nous nous dirigeons donc vers le métro Beaubien. Oh, attention, il y a des gens derrière. Pas de soucis. Donc là on se dirige vers Beaubien directement, on va prendre le métro, on va aller vers UQAM, on va aller après au Square Cabot parce qu'à 18h30 il y a une manifestation qui se met en place qui peut être intéressante à voir. Attention, il y a un bébé qui peut être intéressante à voir. Tu veux pas que je... C'est comme tu veux, soit t'arrêtes de marcher. Oh, j'arrête de marcher. On va donc au Square Cabot parce qu'il y a une manifestation qui a lieu, c'est une manifestation anticapitaliste 2019. On se dirige vers là-bas pour voir à quoi ça ressemble en tout cas. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Franchement, je ne sais pas si ça va donner parce que c'est, tu sais, on n'est pas habitué à des telles manifestations, des manifestations ultra anticapitalistes comme ça, avec une thématique aussi forte que celle-là. On a vu les différents prospectus qui parlaient de ça. T'as un côté vraiment idéologique qui a l'air de se mettre en place. Donc, à voir. C'est pas comme les manifestations chez nous qui sont des manifestations de syndicats ou nos gilets jaunes en ce moment. C'est vraiment idéologique. Ce sont les anticapitalistes, un mouvement anticapitaliste qui dénonce tout ce qui est l'exploitation des dépôts au profit des riches, mise en place que le fait que les riches soient de plus en plus riches et que les pauvres de plus en plus pauvres. Hein. Merci à Maxime pour ça. Et donc voilà, il y a le métro qui arrive. On va faire du bruit. Yeah, it's made with bits of real panther. So you know it's good. It's quite pungent. Oh yeah. It stings the nostrils. In a good way. Smells like pure gasoline. 60% of the time, it works. Every time. That doesn't make sense. Ah oui, c'est des choses bizarres. Bon là, nous sommes donc au Square Cabot. Alors, je ne sais pas pourquoi cette place particulièrement. Ça doit avoir une symbolique. Derrière, il y a une affiche marquée « Tout pouvoir aux travailleuses et aux travailleurs ». C'est un petit pied de nez, parce que souvent, dans la langue française, on met le masculin dans le féminin. Et là, ils ont inversé deux. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui imagine ça, mais ils ont inversé les deux pour dire en gros, nous faire foutre avec vos conventions de votre société moderne, nous, on met l'humain en premier cas. Donc, je trouve ça plutôt plaisant. Après, il faut voir comment ça se goupille, qu'est-ce qui va en sortir. Mais c'est drôle de voir de tels regroupements. T'as des gens qui sont cagoulés quand même, donc je sais pas. T'as le mec avec un bonnet rouge aussi, que je sais pas si on peut filmer.
Mais bon, là non, c'est plutôt cool, moi je trouve que j'aime bien cet aspect-là, de voir des gens qui se regroupent comme ça, et ça a l'air très épars comme population, puis alors d'avoir des gens qui sont des gens de, du quotidien, tous les jours, puis t'as l'air d'avoir des gens qui ont l'air d'être bien impliqués dedans, impliqués fortement. Ça se voit, bon, tous les mecs qui ont les foulards rouges, avec des drapeaux rouges qui sont souvent la couleur un peu anarchiste, noir et rouge. Il y a beaucoup de caméras, j'ai l'impression aussi que t'as plein de gens qui filment, on n'est pas les seuls à filmer, donc ce qui me décontracte un poil. Mais franchement, c'est intéressant. Alors c'est dommage qu'il fasse pas beau, parce que souvent là, on vient de faire deux manifestations où il faisait pas beau, donc j'imagine que ça réduit l'impact, mais c'est drôle de voir ça. Nous on reste jusqu'en juillet en fait. Ah bon, mais pas. Ici donc au pire t'as un Facebook Ouais j'avais Facebook ouais. Ben prends le mien parce que moi j'ai rien. Ok d'accord. T'as de quoi écrire? J'ai pas de téléphone, j'ai rien, je suis français donc on est en mode total sauvage. C'est quoi ton nom? Tu marques Clément. Ok. Idea Corp. Comme là. Ok Idea Corp. D'accord. Et tu me parles et on en rediscute grave. T'inquiète. Parfait, c'est bon. Bonne journée. Merci à vous. Nous sommes en marche de... Ah mais Clément va se faire défoncer la gueule. Pardon. En arrière. Excuse-moi. C'est juste pour faire une belle scène de l'arrière. C'est dans sa roche. Je sais, mais je suis pas avec eux. Ça peut être classe quand même. Clément vient de se faire interpeller par la police, mais le policier a vu ses plans et je pense que ça va. Et donc voilà, donc là on est derrière, c'est un peu surprenant. On rouge ? Non, tu restes avec eux, on reste avec eux, mais à côté. D'accord, ok. Tu rentres pas dans le lot, ouais. T'écoutes ce que les flics te disent, comme là, t'inquiète-moi, c'était juste pour prendre la scène, je le savais. Et là, on est en marge. Oui, je vois. Eux, là, quand ils commencent à partir en couille, il faut faire attention. D'accord, ok. Là, on est en avertissement, tu vas se souvenir pour vous derrière. Ouais, tu vois. On est en avertissement, ça va. C'est le mouvement, en fait, là, il s'est rapide. Excusez-moi, les viewers. Excusez. J'ai failli foutre le fichage partout là. C'est très surprenant, hein, franchement. Non, là vous voyez rien. De respecter toutes les lois et règlements en vigueur. This is a warning from the service de police de la ville de Montréal. We are currently... Ceci est un avertissement du service de police de la ville de Montréal. Certains manifestants continuent d'avoir des comportements illégaux, mettant ainsi en danger la sécurité ou l'ordre public. En raison d'infractions commises, nous vous donnons l'ordre de vous disperser et de quitter les lieux. Sinon, nous devrons intervenir. Un peu de fumigène, mais toujours la belle photo. Merde, on arrive à la fin. Anti-colonialiste! Ah! Anti-colonialiste! Ah! Anti-colonialiste! Ah! Anti-colonialisme! Ah! Anti-colonialisme! Ah! Anti-colonialisme! Les bus se déplacent pour la manifestation, ils étaient là. C'était une manifestation imprévue. Enfin, imprévue. Si, prévue. Elle est annuelle. Mais le cheminement n'est pas prévu. Donc à partir de là, les bus, ben, ils savent pas où est-ce qu'il faut aller. Donc les mecs, ils déplacent les bus. Et là, t'as toute la police en face qui est à l'avant du mouvement. T'as la police qui est aussi à l'arrière du mouvement. Et t'as tout le mouvement qui est là, qui avance. Et passe-partout, qui filme les caméramans. Parce qu'il faut dire que, putain, niveau suivi journalistique, la presse, c'est dans tous les sens. Donc, c'est vraiment un mouvement qui existe vraiment depuis longtemps. Donc c'est un mouvement anticapitaliste pour la fête du travail. Quoi.
Ouais. Ça va se passer mieux. La police arrive et ça charge. Oh. Là ça part en couille, j'ai l'impression, il y a la police dans tous les sens. Et la police en mode vénère, elle est sur le sol et les trucs qui sont restés. Je pense que oui. Il y a la lacrymogène, la police est partout. La police est là. Il fallait ça que pique je... hein, les yeux, hein, la crémo ça pique un peu les yeux. Bon là on suit Radio-Canada, Caméraman depuis tout à l'heure, hein. Il est là. Mais là, oui, fou. Ça a été beaucoup plus virulent que ce que je pensais. Wow. J'ai respiré juste rapide. Ouais, il avait trop aussi. Mais c'est du wasabi, hein. Vers le sud, toi, t'es boy, vers le sud. Get in, là. Total quoi! Enfin, du chaos total, non, c'est contrôlé, la police fait son travail. T'as les messages qui balancent, une sorte d'alarme chelou. Très surprenant de voir face à une autre façon de manifester que chez nous, quoi. Hein? On a fait un cercle là quasiment? Je sais pas. Mais là, on est déjà passé, quoi? Ah ouais, on est à UCAM. Je sais pas. Yeah, so you called.
La pluie sévise à tomber sur Montréal. La manifestation a tourné mal. J'attends que la voiture s'en aille. Non, on a continué la manifestation, on a suivi la manifestation. On a compris 2-3 trucs. On a découvert que c'était un événement qui se passait tous les 1er mai. C'est la fête du travail, en fait, comme chez nous en France. Et il y a des manifestations, et entre autres des manifestations anticapitalistes qui se font, qui commencent toujours au Square Cabot. On a demandé aux policiers, on est allé voir les policiers, on leur a parlé, on leur a demandé de comment ça se passait, parce que chez nous en France, les manifestations ne sont pas pareilles. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. En fait, on fait très similaire à la France, c'est-à-dire pas contrôlé. Le cheminement, le tracé, c'est ça? Le tracé n'est pas autorisé par la mairie. Donc en fait, les flics sont là pour regarder, zioter si ça part en couille, puis après le mouvement se met à marcher dans les rues et divague dans les rues. Et c'est quand le mouvement s'est mis à marcher que ben, là, il y a eu des mouvements un peu. C'est parti vénère. C'est normal, dans les manifestations, il y a toujours des mouvements qui se font. Après, voilà. C'est une autre gestion de la crise. Pour moi, allez, si on atteignait les 500 gars, et je trouvais que quand même, il y avait quand même beaucoup de policiers pour ce mouvement-là. Alors, en même temps, c'était des bad blocks, réellement. On a parlé un peu avec des gens, passe-partout, avec une altercation avec un membre du groupe, je crois. C'était réellement des bad blocks. Des black blocks. Excusez-moi. Mais c'était assez intéressant de voir tout ça. Franchement, c'est une autre façon d'exprimer leur droit de parole. On a vraiment découvert quelque chose de nouveau. On s'est dit, bien, ça y est, la manifestation s'est fait disperser par la police. Un peu violemment, ça je l'accorde, avec des marches assez fortes. Les flics tapent sur leurs boucliers, donc comme chez nous aussi, tu vois. Mais c'est impressionnant. Alors, d'autant plus qu'on est français, donc on voit de la police étrangère. Donc en fait, quand tu vois de la police étrangère agir, toi en tant qu'étranger, tu vois ça avec beaucoup plus d'impact que si c'était un mouvement policier français pour nous en France, tu vois. Donc ça reste très impressionnant. Donc pour nous reposer l'esprit, nous sommes allés sur Mont-Royal. Et nous sommes dans un bar. Et donc maintenant, nous prenons une petite bière. Tranquille. Bien méritée. Bien méritée. Alors il va y avoir une scène. Peut-être que vous aurez des plans de scène. On passe partout à la caméra, donc peut-être il va le faire. Et donc vous verrez des plans. Ah, oui, oui. Ah, il est content. Des plans de fête pour finir ce vlog tranquillou, je pense. Et puis voilà, en tout cas, c'était une journée bien intense, en émotion, en mouvement, parce qu'on a quand même marché aussi, on s'est déplacé, on a quand même traversé Montréal assez bien. Et donc voilà, donc les gars, on se retrouve pour un prochain vlog, sûrement. Hein, n'hésitez pas à partager le contenu, à laisser un petit pouce bleu si ça vous fait kiffer. Et puis voilà, nous on revient bientôt avec une nouvelle vidéo, avec un nouveau vlog, une nouvelle situation, un nouveau quotidien. Et puis voilà, ciao les gars.